Hey, bienvenue pour cette vidéo aujourd'hui, journée 2 du tour. Nous, c'est bon, on n'a plus noiré. On va jeter un coup d'œil de ce pas et surtout bah, faire nos petites frappes. Alors, ma défense est royalement tombée à l'eau. Bon, après, j'ai dû finir avec un top C, parce que là, il est presque 10h. Ouais, j'ai dû finir avec un top C, voire même B maintenant, je pense. Vu que c'était il y a 9h et que ça c'était il y a 10h. Ouais, je pense que j'ai dû finir avec un B. Ma foi, c'est pas si mauvais. Donc assez cool. Par contre, là, deux défaites de plus. Si je n'ai rien de plus qui se propose, ça va se solder avec un petit E. Et vous connaissez les règles. Chez moi, quand il y a du E et que j'ai la bourre de défaite en attaque, eh bien le tournoi, je ne le poursuis pas. Mais si j'ai pas trop de défaites, bien sûr, je le poursuis, c'est logique. Alors. Une petite frayeur. Qui me fait une petite frayeur. Sauf que si je pars du jaune pour la dégommer, ben ensuite Sif va être assez casse-pieds. Et Mister Harris encore plus. Vite fait, je regarde ce que j'ai, mais je pense que je vais devoir rester comme ça. Je vais mettre le chapeauté à la place de Yangmei voir ce que ça donne. Ça j'aurai plus d'effets positifs et donc plus de frappe. Et c'est parti, voyons voir ce que ça donne. Alors, j'ai du rouge. J'ai un peu de bleu. Puis là, déjà prête. Ouais. Et je vais faire du minage. J'ai encore un peu de rouge. Avec un peu de rouge. La Belgique commence à être chaud tonight. Belle qui est toujours chaud, mais est-ce que c'est suffisant pour les dégommer? Non. Hymne de la richesse. Bon, je tombe bien, j'ai pas le jaune. Et vite, on augmente un peu notre attaque. Là, mon pingouin, normalement, il devrait faire mal. Si on me le tue pas avant à la poisse. À la poisse, poisse, poisse. Là, ça semble pas bon, par contre. Alors, oh purée, on soigne et ensuite on se met en mode destruction totale. Wow, on va se calmer. Là, j'ai plus de force de frappe en termes de CS, donc là par contre ça va être compliqué. Surtout si on a un petit mystère de gauche qui augmente l'attaque comme un fou et en plus soigne. Là par contre ça va être très compromis. Plus 58, ouais, ça pique. Oh purée. Oh purée. C'est dommage, je l'avais esquivé, mais c'était loin d'être suffisant. Adieu Alexandrine. Ah non, presque. Et voilà, c'est bon. Adieu Alexandrine. Adieu monde cruel. Une défaite assez sale. Poursuivons, poursuivons, espérons que ça se répète pas trop. Purée Nelson, il s'est pris une raclée rapide et propre.
Il est déjà mort, ça bon, c'est fait. Et je n'avais que 3 bleus. Donc franchement, c'était propre. Encore 2 tours. Est-ce que j'attends 2 tours? Oui, on va attendre 2 tours. Comme ça, ensuite, on va vraiment pouvoir la zigoter et ça va faire mal. Là. Reflet divin. Scud, tac, tac. Et maintenant, Mister Pingouin, vas-y, montre-nous qui c'est le boss. Wow, bon bah il a bien pris cher. Bon, après, il a bien attaqué Sartana. Je pensais pas qu'il allait attaquer autant. Alors que les dégâts étaient réduits de 50%, je tiens à préciser. Sinon, il aurait quand même été mort, mais en entraînant cette personne avec lui. Hop, petit sbire. Hop, petit soin. Problème avec cette combinaison, c'est que je n'ai qu'un seul frappeur, vrai frappeur, qui est le pingouin. Baldur, il frappe, mais s'il n'a pas de PV, ben, il va pas faire grand-chose. Hop, allez, Baldur, Sartana, yes. »« 550. Là, par contre, il panne. Cogne. Il a 100% d'attaque plus les 30%. Il a du coup 130% d'attaque en plus. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour crever toi en face? Voilà, ça c'est fait. Une belle victoire. Ensuite. Du Krampus, ça va être drôle. Ça va être drôle. Surtout avec un puzzle comme ça va être très drôle. Alors, tac, est-ce que j'ai du bleu? Non, c'est dommage. J'ai peut-être achevé Marjana, ce qui serait assez cool. Yes! Bon, ça fait déjà une poubelle en moins. Par contre, on a cette mise qui a empêché d'avoir des sbires. Ça va être très, très, très regrettable. Alors, déjà, tac. C'est toi qu'on doit. J'allais dire dès que mon premier, mais on peut pas parce que Mister protège. Les sbires. Personne ne peut en avoir, mais j'ai l'élémentaire qui est quand même à portée, donc on va quand même le faire. Provocation pour 2 tours, sans que j'ai pas mal tué le milieu. Non, dans tous les cas. Ouais, bon. Hop, on a compris. Oh, il a ignoré sa défense. Ça, c'était beau. Hop, tac, vas-y Baldur, montre-nous qui c'est le patron. Yes! Magnifique. Il n'y a déjà plus de ce monde. Allez, on a à fond sur les effets positifs. Là, les bleus, ça devrait faire mal. Oh yes. Beautiful. Alors, les anti-sbires, c'est jusqu'à quand? 2 tours. 2 tours. 3 tours. Un tour, bon, on va attendre.
Tonton est déjà full sbire pour le moment. Toi, plus qu'un tour, encore un tour et on envoie la sauce. Et c'est parti. Là. Voilà, tu dégages. Et là, logique des choses, Baldur lui fait le coup de grâce. Voilà, magnifique. Ça, c'est fait. Ensuite. Alors, j'ai pas l'anti-sbire, ça c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas le bourrin. Bon, toi tu vas être horrible, toi tu vas être horrible, toi tu vas être. Ah, si, il y a un anti-sbire, j'ai une bêtise. Toi tu vas être casse-pied et toi on n'en parle pas. Et c'est parti. Alors, j'ai quelques bleus. J'ai du rouge. On va faire du ménage. Faut du rouge ou du bleu qui monte. Puis l'Afrique, elle est déjà. Elle est déjà show tonight. Stop, yes, là. Tac, tac. Là, c'est ma chance. Allez, j'ai deux tuiles rouges avec des effets positifs. Elle est morte. Dis-moi qu'elle est morte, s'il te plaît. Yes. Oh, yes. Je croyais pas. Oh, yes. Ça, c'est bon. Afrique est plus là. Un problème en moins. Octros était. Potentiellement plus là, mais il revient, ça c'est dommage. Hop, tac, tac. Et tac, je me la jouais safe, je suis sûr de l'achever. Là, parfait, les rouges s'enchaînent. Voilà, Baldur, on remet une couche. Les bleus vont achever Viscaro. Il ne reste plus que la directrice Zuri qui est morte à son tour. Bah, ça, c'était propre et c'était carré. Et pour conclure, et pour conclure. Ok. Sans debuff, ça va être assez compliqué. Là, j'ai Devana en soi. Et j'ai Devana en soi. Devalafaline. On va faire ça, Devalafaline plutôt. Parce que là, si j'ai pas de debuff, je vais avoir du mal à les aiguiller. Et c'est. Oh, attends une seconde. Ah là, c'est bon. Et c'est parti. Et bien sûr, j'ai du rouge. Alors, hop là, là j'ai un peu de jaune. Là j'ai encore du jaune. Et là, ça commence à venir la dèche. Hop. Hop, là j'ai quelques bleus. Là on fait du ménage. Purée, pourquoi j'ai plus pas pris les rouges? On se parle. Hop. Hop. Là, je peux enchaîner Faline et ensuite Devana et ensuite Faline. Ça sera pas être... ça va être cool. Du coup, ça va faire tac et tac sur les trois du milieu. Voilà, ça c'est nickel chrome. Ensuite, tac, tac. Magnifique. Ensuite, tac-tac-tac. En toute logique, on survit tous. Même mon petit Oyo qui a su esquiver, ça c'est bien, il show tonight. Là, je charge mon pingouin. Et là, mesdames et messieurs, ça va être le coup de grâce pour tout le monde. Tac-tac. Tac. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo avec 4 victoires et une défaite, exactement comme hier. Top 5.
Top 5, top 5, top 5. Ouais, tout juste. Hein. Le top 5, là, il est loin. Là, je suis pas. Je dirais plus top 10. En plus, j'ai une défense qui est pour le moment. Donc là, ce sera plus top 10. Ça passe. Mais on verra bien ce qui se passe demain. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. Bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée. Peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis, tchou tchou!